Bonjour, bonjour, monsieur Greenback. Bonjour. J'ai vu que vous étiez venu en vélo. Ben oui, hein. C'est aujourd'hui, il faut donner la place à d'autres modes de déplacement que la voiture. Vous avez bien Même si vous m'accueillez dans cette émission, je vais mettre ma ceinture quand même, vous m'accueillez dans cette émission dans votre voiture, parce que c'est le principe. Mais, ouais, ouais. Et puis ça nous permet de circuler dans ce carbec ensemble. Après, je vous avoue qu'on a essayé en vélo, mais il n'y avait pas cette place. C'était plus dangereux, surtout. Voilà. C'était plus dangereux pour tenir la caméra. Exactement. Voilà, ils font ça pour le Tour de France, notamment. Pour tous les jeunes de l'univers. Message universel. Pouvez-vous juste vous présenter en quelques mots pour ceux qui vous connaissent, pas. Oui, donc Denis Grimbergs, échevin des finances, de la mobilité, du logement, et j'ai également la tutelle sur le CPS. Ok. Je suis le chef de file du CDH de Scarbec, qui est donc actuellement dans la majorité avec Écolo et avec la liste du bourgmestre. Mmh. Et bien, nous allons aux élections les mains libres pour la suite. En fonction des résultats, on verra si on recompose ce même type de majorité qui, pour notre part, a permis d'atteindre pas mal d'objectifs que nous étions fixés. Mm-hmm. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Et donc, vous faites partie du CDH. Oui. En quelques mots, c'est quoi le CDH ? CDH, c'est le Centre démocrate humaniste. C'est un parti qui est situé au centre de l'échiquier politique, comme le nom l'indique, qui a une tradition d'ancrage dans le tissu associatif, c'est-à-dire qu'il souhaite qu'il y ait de la place pour l'engagement de citoyens organisés, qu'il y ait au niveau, pour prendre l'exemple du niveau communal, au niveau communal des initiatives qui soient évidemment réalisées par les pouvoirs publics, mais aussi que l'on puisse soutenir des initiatives de citoyens organisés, d'associations qui rendent un certain nombre de services que la commune peut quelque part soutenir sans les faire elle-même. Voilà, pas faire à la place, mais plutôt soutenir la démarche des citoyens quand ils s'associent, quand ils s'organisent entre eux pour développer un certain nombre d'initiatives. C'est par exemple le cas dans l'enseignement. Il y a les écoles communales, mais il y a aussi les écoles d'enseignement libre. C'est le cas également pour ce qui concerne les centres de formation. Il y a une série d'associations qui font des formations. C'est le cas évidemment dans le domaine culturel. Vous avez le centre culturel qui lui est plutôt public, mais vous avez énormément de théâtres qui sont d'origine associative, qui sont présents sur le terrain de Scarbec. Et donc Scarbec est assez riche de cette diversité de la dynamique associative. Et CDH en tous les cas met l'accent sur le fait que les pouvoirs publics doivent soutenir ces initiatives plutôt que de les remplacer. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Et concrètement, vous avez des idées, un programme? Ah oui, hein. On a un programme complet pour cette commune. Vous nous expliquez un peu? Bien sûr. Donc la première chose que je vous dirais, c'est que le redressement des finances de la commune de Scarbec, qui n'est pas une petite affaire, Scarbec a connu des déficits pendant des dizaines d'années. Ça, je m'en souviens. Et donc aujourd'hui, la situation financière est meilleure. Et l'on peut donc, et on doit donc, concevoir le programme de la prochaine législature dans le cadre d'un plan de gestion qui ne galvaude pas les marges financières. Elles sont là, elles ne sont pas non plus immenses, mais elles sont là. Il faut les utiliser à bon escient. Et pour nous, ça veut dire qu'il faut à la fois, sans doute, rendre un peu de la fiscalité, rendre un peu des finances aux citoyens. Donc il y a eu, pour remettre les finances à flot, on a dû lever des impôts relativement élevés. Ben, il faut sans doute un tout petit peu en diminuer le poids pour les citoyens. Il faut faire des choix, on ne peut pas diminuer tous les impôts, mais il faut sans doute de manière sélective diminuer un certain nombre de charges, notamment qui pèsent sur les propriétaires. Deuxièmement, il faut un plan d'investissement dans tous les quartiers, heureusement, grâce au contrat de quartier, on a pu réinvestir dans les quartiers dans lesquels c'était vraiment nécessaire. Mais aujourd'hui, il reste, pour prendre des exemples pratiques, des trottoirs à faire dans cette commune. Si on veut que les trottoirs soient tous refaits une première fois en 2024, eh bien, il y a du travail encore. Et ça mobilise, par exemple, rien que pour ce secteur-là, à peu près 1 million de finances supplémentaires par rapport au financement actuel par an, pendant toute la législature. Donc, ça n'est pas rien. Il faut aussi, parce que le personnel communal nous a aussi pas mal aidé pour atteindre l'équilibre,
ben, il y a sans doute aussi un effort à faire en termes de retour vers le personnel communal. Il y a l'occasion, par exemple, du débat sur les pensions qui fait qu'aujourd'hui, il va falloir mettre en place un système de pension au bénéfice, de pension complémentaire au bénéfice du deuxième pilier, comme on dit, au bénéfice du personnel contractuel de la commune, pour qu'ils puissent avoir une pension convenable au moment où ils seront pensionnés. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Et au niveau de la jeunesse, donc, vous comptez... vous avez des programmes, des idées aussi pour la jeunesse, parce que je sais qu'il y a certains partis qui veulent faire essayer de créer un conseil de jeunes. C'était ça, un conseil de la jeunesse. Conseil de la jeunesse, oui. Est-ce que vous aussi, c'est une idée que vous avez ou c'est vous avez une idée que je partage. Non, c'est une idée que je partage. Moi, je pense que justement, pour mobiliser les associations, les représentants des jeunes, c'est intéressant effectivement de créer des initiatives de type conseil consultatif qui amènent à chercher des représentants de ces jeunes. Il faut dire que Schaerbeek a une richesse importante, c'est que c'est une des communes les plus jeunes du royaume. Donc il faut vivre cette situation comme étant une richesse. Un pays, une région, un territoire sur lequel la population est plus jeune qu'ailleurs, c'est normalement un avantage sur le long terme. Donc il faut investir dans cette jeunesse. Il faut investir, bien sûr, dans les aspects sportifs, culturels, mais aussi et surtout dans l'enseignement, dans la formation, pour doter les jeunes des moyens qui leur permettront par la suite de devenir des adultes responsables. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Allez, moi, en tant que jeune, quand je parle avec d'autres jeunes, souvent j'ai pu remarquer qu'il y en a beaucoup, quand tu leur parles de politique, ils te disent « Ouais, frère, la politique, ils te disent des trucs, au final, ils font rien. » Moi, des trucs, ce genre de choses. Moi, c'est une sorte de cassure où ils ne croient plus en la politique. Est-ce que vous aussi, vous ressentez ça ou vraiment pas? Oui, bien sûr. On se rend compte qu'il y a, et ça ne concerne pas que les jeunes, une forme de rupture entre les représentants de la population qui sont engagés dans le système, disons, dans les partis, et un certain nombre de citoyens qui ne veulent pas s'engager de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas s'engager, mais pas de cette manière-là. Donc il faut concilier des formes d'engagement qui sont différentes par nature, différentes par volonté. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être dans la dynamique des partis politiques. On ne va pas demander à tout le monde d'être membre d'un parti politique. On n'est pas dans une démocratie où il y a une obligation de s'engager dans le modèle. Mais par contre, on est dans une démocratie où il faut renforcer la participation pour que les gens puissent trouver d'autres voies pour participer, pour être participants de la cité, être acteurs dans leur lieu de vie. Et donc ça passe sans doute par d'autres formes d'engagement que des engagements strictement politiques. C'est pour ça que j'évoquais l'idée que dans des appels à projets où on dit aux jeunes, voilà, dans votre quartier, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a un peu de moyens qu'on pourrait mettre à votre disposition, à la disposition de ceux qui auront des projets à proposer. Déposez des projets. Il va y avoir un groupe de citoyens qui vont donner des avis sur les différents projets déposés, et puis il y en a un ou deux ou trois qui seront retenus. Et on vous donnera les moyens de réaliser le projet que vous avez. Ça, c'est des manières concrètes d'impliquer des citoyens et peut-être de leur redonner une certaine confiance dans l'action politique. Et aussi, généralement, ça vient aussi du fait que les jeunes ne se sentent plus écoutés. Et je pense que moi, l'idée du conseil de la jeunesse, c'est permettre ça. C'est vraiment donner aux jeunes l'opportunité d'être écouté, et surtout que quand il a un projet qu'on lui dit ouais c'est pas possible, bah qu'on lui explique pourquoi. Ça aussi, parce que généralement c'est on demande quelque chose, on lui dit oui on va essayer de le faire, au final ça se fait pas, mais il sait pas pourquoi, il a pas de retour. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Est-ce que vous trouvez pas que pour une commune aussi avec autant de jeunes, 3 maisons de jeunes, c'est pas peu, ou très, en tout cas c'est très peu, 3. Et il y a effectivement, mais ceci dit, la maison de jeunes est une des formes d'action qui est offerte dans une politique de jeunesse. Il y en a d'autres, il y a des organisations de jeunesse, il y a beaucoup d'organisations de jeunesse qui existent sur notre territoire. Je pense que ce que la commune doit faire, dans le sens de ce dont je vous parlais par rapport à l'essence même du fonctionnement du CDH,
c'est soutenir les initiatives qui existent, mieux les soutenir, mieux les faire connaître, pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier aussi. C'est ça. Il y a moyen d'aider, il y a des locaux pour des organisations de jeunesse, il y a des communes qui développent des locaux pour les organisations de jeunesse. On fait ça très peu à Scarbec, on en avait parlé beaucoup les moyens précédemment. Ouais. Ben voilà, il y a là un choix à faire, est-ce qu'on va le faire un peu davantage? On a un terrain sur lequel il y avait un mouvement de jeunesse qui occupait un terrain communal, et puis on a besoin de ce terrain pour développer une école. Nous avons voulu, et on a réussi ça, on a voulu qu'on concilie l'école qui est en train de se construire avenue Chazal avec la plaine qui était mise à disposition des organisations de jeunesse qui se trouvaient là. Donc voilà, il faut être attentif à ce qu'il y ait une offre suffisante. Alors ça peut se faire par le biais des maisons de jeunes, mais ça peut se faire aussi par le biais d'autres formes d'organisation. Il y a les associations d'action en milieu ouvert aussi qui sont présentes à Scarbec, Atmosphère, Amos, La Gerbe, AMO. Donc c'est aussi une forme d'action qui existe sur le territoire communal, qui ne coûte rien à la commune. La commune peut juste, quelque part, être très satisfaite qu'il y ait des initiatives comme celle-là et les soutenir. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Vous avez un dernier petit mot pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je souhaite qu'ils fassent le bon choix le 14 octobre, qu'ils s'impliquent dans la comparaison des programmes, c'est une bonne chose, pour pouvoir effectivement choisir leurs représentants. Et je leur dirais aussi que le 14 octobre, c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. Ils vont élire des représentants. Il faudra qu'ils continuent à vérifier que ces représentants fassent bien le boulot, à continuer à les interpeller tout au long de la législature. Il y a maintes occasions de le faire. On serait étonné aussi, pour parler de désaffection dans la relation avec les autorités politiques. Les gens sont parfois étonnés aussi, quand ils interpellent le politique, ils ont une réponse. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Merci de votre invitation. C'était vraiment... Ça vous a plu, que ça a été intéressant comme échange. Tout à fait. C'est la fin de notre petite aventure Montez, on vous dépose. J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a été... c'était vraiment intéressant. N'est-ce pas, Wado? Tu peux confirmer. Oui, bien sûr. J'espère que ça vous a plu. C'est votre émission. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous faire un retour. Et sur ce, la commune vous appartient. Faites bouger les choses. Et faites votre choix. Voilà. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons, je le dédie pour ce que j'ai.